c'est le Kikadi du Super Moscato le Show. Kikadi du Super Moscato Show, Mehdi face à Marcel. Bonjour messieurs. Bonjour. Et surtout un nouveau maître du jeu, puisque Jérôme Rotten ne nous a pas convaincus. Alors on va taper un cran plus haut, voire deux crans plus haut. Attention, c'est Captain Larquet qui va faire le Kikadi ce soir. Le capitaine. Bonjour messieurs dames et attention, Tony Chaperon c'est rien à côté de moi hein. donc faites gaffe, je vous ai entendu là, vous avez taillé tout le monde. Non. Ah oui, sur Wenger ils ont été durs hein. En même temps t'as l'habitude, ne t'inquiète pas, ils connaissent pas grand chose. J'ai vu foot, que hein. pour les pompes à vélo, le football était toujours en tête là. Ils avaient les deux. Allez, c'est parti. Mehdi, ton équipe Moscato ou Evan GP, puisque Eric une nouvelle fois s'échappe malgré son grand chelem. Voilà. Je vais jouer avec Maryse. Allez, Mehdi, Maryse et Pierre contre Marcel, Vincent et Denis. Captain, c'est parti. Allez, vous êtes prêts ? On est prêts. Allez, on a beaucoup parlé, t'es encore du football des Herbiers cette semaine. L'adversaire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Une dernière question sur cette finale. Question Chocha, question gros sous en basque. Mmh. Ouais. Le budget du Paris Saint-Germain, vous le connaissez ? À peu près, ouais. Aucune idée. 550. Trop de sous. 500 millions d'euros. Oui, 500. Et celui des Herbiers ? 2 millions, 1 million et demi. Qui a dit 2 ? Moi. Ouais, c'est Denis et Vincent. Ouais, moi je le savais, ouais. Deux. Ouais. Moi j'aurais dit même Moscato. Moins, et ils ont gagné 1 million 6, je crois. 1 million 5, oui. 1 million 5, c'est chouette ça. Avant la finale. Il y a du gaz, capitaine, dès qu'on parle pognon, il y a Denis Charvet qui est là. Hein. Il connaît tous les chiffres, Denis. Surtout dès qu'on parle millions, capitaine. Ouais, par milliers. 1-0 pour Marcel, équipe Moscato. Ouais, très bien. Allez, on change de sport, on va sur la mer. Question voile. La Transat AG2R part de... Le Havre. Saint-Malo. D'accord, Concarneau, là vous êtes c'est nul. C'est Marthe, elle arrive. Mais attends, Jean-Michel, tu dois nous laisser, nous laisser chercher, tu dois pas dire tout de suite. Mais non, c'est pas trivial pour suivre. C'était dans la question. D'accord. Concarneau, d'accord. Elle part de Concarneau, oui. Elle arrive où ? À Saint-Barth. New York. Qui a dit Saint-Barth ? Moi. Ah, ça c'était la question pour Vincent. Bravo Vincent. Ouais, mais bon, il y a un texto qui est arrivé quoi. Bon, Saint-Barth, c'est du sur-mesure. Parce que c'est dans les couvettes, toi. Et je connais pas moi, je vais toujours à Pointe-à-Pitre. Mais Saint-Barth, c'est abusé là quand même. 2-0 pour Marcel, équipe Moscato. Moi je vais toujours à ce Pointe-à-Pitre. Arrête de regarder par-dessus mon épaule, Vincent. Non, on n'est pas. Allez, question BFM. Mmh. BFM TV. Ah, ça n'a rien à voir avec le sport, hein. Ouais. Ah bah oui, c'est BFM. Hein. Ouais. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a pleuré cette semaine. Le chien Willow qui est mort. Oh non, mais Vincent, Vincent, tu passes ta vie chez... Non, t'as pas de cheveux, tu peux pas passer ta vie chez le coiffeur. Il prend l'avion en ce moment. Mais non, donc tu lis la question, n'est même pas posée. Il lit que voici, arrête. Il veut prendre ma place, Vincent, ou quoi ? Il lit que voici, je te dis. 3-0, tenez-vous bien. La reine d'Angleterre, il y a combien de Il connaissait même le nom du chien. Il y a 3-4 jours. Ah, mais c'est ça le Kikadi, capitaine. C'était. Alors là, je lis, bien sûr. Hein. Descendant de la 14e génération de son tout premier chien, qu'elle a vécu à 18 ans et elle en a aujourd'hui. 91. Bon, 3-0 Maryse, il faut qu'on réagisse là. Bah oui, mais non, mais moi j'ai pas lu voici cette semaine. En même temps, les animaux de compagnie et Simba, pour l'instant, c'est du surmesure. Question auditeur. Question auditeur, Mehdi, Marcel, c'est à vous. Mehdi, Marcel. Ok. Très bien, vous êtes prêts ? Oui. Qui qu'a dit ? C'est très simple. Je vais même pas avoir à finir la phrase. Une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde. Ibrahimovic, bonne réponse de Mehdi. Voilà, tu nous as lancé Mehdi, c'est bon. 3-1. Et donc moi, j'ai pas un auditeur qui me prend un point depuis 3 semaines. Non. Voilà. Et alors c'est quoi, une réduction du score ou une réduction de l'écart ? Réduction de l'écart, oui. Réduction de l'écart, Maryse. Ah bon ? Bon, très bien. T'aurais pu être un stit, capitaine. Non, mais un stit comme ça, je suis sûr qu'il donnait des coups de règle sur les doigts des élèves. Tu sais, c'était les trucs des palmiers, là, les trucs qui triangulent. Des palmiers avec des petites épines dessus. Bon, 3-1 pour Marcel face à Mehdi, c'est l'équipe Moscato qui mène. Bon, très bien. On enchaîne. Il y a une suite à cette histoire. Plus personne ne veut de. Mais qui a dit on peut jouer la Coupe du Monde sans Zlatan ?
Zlatan. Sans Zlatan, c'est qui ça? C'est un Suédois. Un Platini. C'est un Suédois. C'est un Suédois. C'est un Suédois qui joue dans le champ. Si vous voulez pas, si vous voulez pas d'indices, parlez. Vas-y, dis-nous. Je vous donne des indices. Un indice. Kjellson. Castrom. Tous les Suédois s'appellent comme ça. Ils jouent à Guingamp. Ah, Isaacson. Non, Jackson. Isaacson. C'est Johnson. Johnson, gardien de but. Johnson. Qui a dit? C'est moi. Pierre? Oui. 3-2. Oh, quel match! 3-2, mais il ça, reste 3 minutes. Ben ça, ouais, je m'accroche. T'as envoyé tout au début, et là tu cours quoi? Allez. Tout. Non, mais autant le petit chien de la reine il connaît, mais le gardien de Guingamp il connaît pas. Pose une question, People, au cinéma, il va te trouver. Allez, 3-2 donc pour l'équipe Moscato, il reste 2 minutes. Tiens, je crois que ça a été la pompe à vélo là que vous l'avez désigné. Vous n'avez pas désigné Neymar tout à l'heure? Si, tout à fait. Ah, il me semblait bien. Neymar. Mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pour les auditeurs. Pour qui? C'est encore pour Mehdi et Marcel. Question auditeur. Ouais. C'est quoi là nous? Toi t'as Marcel. Toi t'as Marcel. Marcel, vas-y. Allez, Marcel. Il sait même pas avec qui il joue lui. Marcel, c'est quand même extraordinaire. Il sait même pas avec lui. Mehdi, Marcel, vous m'entendez bien, hein? Ouais, c'est bien. Neymar, entre deux parties de poker, s'est fait un nouveau tatouage. Que représente ce tatouage? Sa copine? Pardon? Sa femme? Ah, on se rapproche! Sa femme, on se rapproche, ça? Ben oui, on se rapproche! Ben oui, oui, mais il est pas marié! C'est un portrait! Si c'est pas sa femme, c'est un portrait de. La Vierge! Sa mère! Qui a dit sa mère? Marcel! Ouais, c'est Marcel! 4-2. Allez, 1 minute 40. Et. Vincent, tu pourras, j'allais dire Bichente, tu parles. Vincent, il t'a rapporté un point, Marcel. Ouais. Merci Marcel, c'est bien, c'est pour toi. 4 à 2 minutes. Tu vois, heureusement que tu le lui dis parce qu'il engueule tout le temps son auditeur. Mais non, mais quand il me trouve rien là, bravo Marcel. Allez, question BFM TV. Quel temps il fait d'abord? On parlera de ça. Non, mais Jamy, on parlera de ça après, tais-toi. Mais non, mais question BFM TV. Mais tu me vas pas me déconcentrer. Mais attends, sincèrement, tais-toi. Qui a dit devenir maire de Barcelone? Je vais y réfléchir. Bouchardat. Valls. Qui a dit Valls? Moi, c'est moi qui ai dit Valls. Ouais. C'est Manuel Valls. C'est qui, moi? Mais oui, c'est Charvet. Denis Charvet. Bravo, Denis. Avec qui tu joues, Denis? Avec Vincent, toujours. Tu sais avec qui tu joues, toi? Oui. Avec Vincent et Marcel. Ça fait 5 à 2. Allez, reste une question pour l'honneur. Une question? Une question. Pendant une conférence de presse, qui a dit? C'est Valls. Ma femme. Valls. Non. C'est ma femme. Il en a plus. C'est ma femme. Elle appelle toujours au mauvais moment. Travers, Labitte. Moscato. Ibrahimovic, Neymar. Alors là, quelqu'un a parlé Garcia. D'un entraîneur. Oui, c'est un entraîneur. Wenger. Ah, on se rapproche, Maryse. Mourinho. Non. Non, mais on se rapproche. Ancelotti. C'est un entraîneur. Allegri. En Angleterre. Pochettino. Je connais que lui. Pochettino. Guardiola. Conte? Qui a dit Conte? C'est moi, c'est Pierre. Mais ça suffira pas. C'est gagné pour Marcel. 5 à 3. Marcel, victoire de Marcel qui gagne une semaine de vacances sur un bateau de location.